par précaution, on a beau mettre des croisillons à nos... Paris est magnifique et plus tu vas à l'étranger, plus quand tu rentres, tu te rends compte que Paris, c'est vraiment magnifique. Tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées, emmaillotés de terre battue, toutes les beautés de nos statues, voiler le soir, l'air réverbère, plonger dans le noir, la ville lumière. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde. Malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Moi j'avais un projet de vieilles chansons françaises et j'avais envie de les reprendre à ma sauce, enfin en tout cas retravailler les arrangements et tout ça. J'ai trouvé l'idée de Paris, puis de trouver justement plein de thèmes. Plein de chansons différentes sur Paris. Je trouvais, j'aimais bien l'idée. Je suis montée sur Paris, j'avais des petits plans comme ça à droite à gauche, mais pas assez pour vivre. Et puis j'ai deux potes qui sont venus sur Paris, qui étaient de La Rochelle, et on s'est dit qu'on allait aller jouer dans la rue. Donc contrebasse, guitare et voix. Et puis on s'est mis à Montmartre, on a cherché des endroits, puis à un moment on a trouvé vraiment un endroit et je sais pas, il y a une la magie à opérer. Cet endroit à Montmartre, c'était sur la place du Tertre, juste à côté dans une petite ruelle devant le Tartempion. Dès qu'on essayait de bouger de là, ça marchait plus. Sinon la plupart des gens voilà, s'arrêtaient, se mettaient à pleurer. Où se mettaient à... D'un coup, ils se retrouvaient dans ce qu'ils voulaient voir, en fait, du Paris, parce qu'il y avait beaucoup de touristes. Donc d'un coup, t'avais une chanteuse dans la rue avec une gouaille et ils étaient à Montmartre. Enfin, c'était parfait pour le tableau. Paris, Paris sera toujours Paris. On peut limiter ses dépenses, sa distinction, son élégance. Non, non, alors que plus le prix. Paris sera toujours Paris. Hey guys, say hi to Zaz. Hi. Woo. Hey. Ça va? Ça va et toi? Ça va? Ça va. Tu dors bien? Non. Pas du tout. Non, pas du tout. Mais c'est pas grave. Yes. J'avais demandé sur mon deuxième album, j'avais demandé à mon éditeur, il m'a dit tu veux travailler qui? Hein? Tu as des idées de réal? Et j'avais dit Quincy Jones. You had a good time last night. Yeah. Yes. C'est cool. C'est dangereux. Paris. Paris. C'est dangereux. Non, mais je le savais. Même je m'enthousiasmais. Les gens me disaient, mais calme-toi, Isa, c'est pas fait. Tu sais pas. J'ai dit, mais si. Mais si. Ah, c'est dangereux partout. Hein. Hein? Quand on est avec des bons amis, c'est dangereux partout. Oui, oui. Tout le monde est à soi. Oui. That's why I asked her to come to dinner with us last night. So I wanted to know her as a human being, because one of the things that Nadia Boulanger said to me all the time is, Quincy, your music can never be more or less than you are as a human being. The human being is first, and that the music reflects that, you know. And when I met her, I said, here's a very smart lady, ghetto lecture lady. A lot of feeling and a lot of science, soul and science, left and right brain, you know. And she's a beautiful lady. Ça va? Hey, Quincy, guys. Ça va? Ça va bien? Ouais. Le dodo bien? Oui, oui. Pas moi. John Clayton, ça a été une super belle rencontre aussi. C'est celui qui a, comme on a animé toute la session, qui est un des bras droits de Quincy. Enfin, c'est lui qui a quand même été vachement présent. Et c'est, enfin, les deux là, c'est des rencontres incroyables et des gens très simples, très voilà, très abordables en fait. Et c'est beau d'avoir des rencontres comme ça.
musically, it was a shock to me to discover how attached she is to so many different kinds of roots. She's attached to the roots of the French music that she listened to and grew up with. But I kind of had to laugh to myself because when we were recording a few minutes ago, she was warming up, and she was warming up like she was in a Baptist church. I said, what is, where did this girl come from? Ghetto. Ghetto, total ghetto. So. Quand t'as le big mode comme ça avec des mecs qui jouent monstrueusement bien, t'es porté partout. Moment, quand c'est vrai, quand on est habitué à vivre dans quelque chose, on s'habitue en fait à la beauté, on s'habitue à la poésie, à la, enfin je sais pas comment dire. Plus je vais à l'étranger, quand je rentre en fait, j'ai un nouveau regard sur Paris qui revient, avec l'architecture, avec toutes ces choses qui sont dépareillées, mais finalement qui vivent en harmonie quoi. Enfin c'est. Graphiquement, c'est fascinant. C'était une évidence. Il fait partie de la génération des anciens de la chanson française, quoi. Enfin, c'est un des derniers qui reste, quoi. Je suis contente! Mais moi aussi, tout va bien. Voilà. Si je me mets là, je te gêne pas pour les images. J'ai trouvé le nom des duettistes. De qui? Zaznavour. Zaznavour, c'est parti. Right. Zaz, can you hear me? Yeah. Okay. Ah. Shall we start? One, two, three. J'aime. Paris au mois de mai, quand les bourgeons renaissent, qu'une nouvelle jeunesse s'empare de la vieille cité qui se met à rayonner. J'aime Paris au mois de mai, quand l'hiver le délaisse, que le soleil caresse ses vieux toits à peine éveillés. J'aime sentir sur les places, j'aime dans les rues où je passe, j'aime ce parfum de muguet que chasse le vent qui passe. Et puis on s'était rencontrés sur un plateau de télé, j'avais l'impression d'être avec mon papy, hyper touchant, hyper c'était plein de tendresse, enfin c'était naturel en fait. J'aime Paris au mois de mai. C'est une personnalité attachante et éminemment populaire. Les artistes sont souvent plus connus que populaires. Elle est populaire, elle est née populaire, comme Piaf était née populaire. Que le jour s'élève, les rues... Aimer du public parce qu'on aime le public. On ne vient pas là uniquement pour faire notre métier, on vient parce qu'on aime ce métier et qu'on l'aime au-delà de l'argent et de la célébrité. J'aime à Paris en été. Yeah, listen to her, listen to her. J'aime Paris. Ça a été là. J'aime Paris en mois de mai. She's gonna finish it. J'aime Paris. Yeah.
c'est Zaz. C'est moi qui te remercie. C'est Zaz Aznavour maintenant. Zaz Aznavour. Ah, c'est cool, je suis trop contente. Voilà. Oh là là, merci alors beaucoup. Alors je prépare les deux chansons, c'est pour plus tard. Hein. Ça roule, ouais, avec grand plaisir. Ah, c'est cool. Tu veux te mettre au milieu? Non, non, come on, you're the middle. Lady, oh, come on, we know about that. Si vous voulez la faire en anglais, vous me le direz, on viendra. C'est ça. Ça peut arriver. Il y a un truc de liberté, en fait, ce qui représente Paris, déjà, c'est quand même... c'est la lumière, donc c'est tous les possibles, les choses qui... on peut créer, en fait, on peut créer tous les rêves qu'on a envie, quoi. Enfin, c'est surtout ça, c'est malgré l'enfermement, malgré la société dans laquelle on vit aujourd'hui, malgré tout ça, on peut vivre libre, quoi, enfin, tel qu'on le rêve, et je pense que c'est ce que représente Paris. Il y a le rêve américain, puis il y a le rêve parisien. J'avais découvert quand elle avait, je crois, 13 ans, elle faisait un skate d'Ella Fitzgerald, une chanson d'Ella Fitzgerald, et je me rappelle, je l'avais posté sur mon MySpace à l'époque, et j'avais dit regardez, regardez, je trouvais ça hallucinant, cette gamine qui skatait super bien, quoi. Donc c'est marrant que je la retrouve là, quoi. Zaz is very popular, especially in Montreal, because there's still French there, so there's a big appreciation for like French music like that, and she's so like timeless, you know what I mean, éternelle, like her voice is very, I can't explain it. It brings joy. You feel her happiness when she sings. So everybody just loves listening to her, including me. And I was really excited when they asked if I would do this song with her, because of course I would. I'm a fan, so. So when we go back to Vamp, we're going back to this vibe too. Yes. Okay, got it. We got it. Perfect. Un regard sur elle, comme toujours, elle est belle. Comme toujours, tous les jours, tout le temps. Dans le noir, le soleil, le brouillard ou la grêle. Un peu beaucoup, passionnant. Les fleurs, moi j'aime Paris en couleur, mais je l'aime aussi dans le blanc, dans les flocons. Moi j'aime Paris tous les moments, toutes les saisons. I love Paris every moment, every moment of the year. I love Paris, why do I love Paris? Parce qu'ici vit mon amour. Q, what do you think about that? Trying to get Alfredo in on this too, so at the end when we're vamping, maybe we can have him soloing underneath their scatting. Is that, I mean, we'd try it. Go back to boo doo boo doo doo. Or should you play that on a We can do that. We can do that too. Yeah, do that, but do it fully. I think one time it's got the same intensity, you know. Back to G minor. Yeah. Okay. Yeah. And that's great. Perfect. Is that cool? An exclamation point? Okay. Yeah. Okay. It's just great to see young people that are taking
music and bringing it back up to where it belongs. Because they lost it for a while, you know, but they're bringing it back. I love these jazz. Too many beautiful women around here. Yes, Lord. It's like, don't mess with my don't. Do not. Je crois que je réalise pas vraiment, en fait. Enfin, moi, j'ai juste des rêves, et je me dis qu'ils sont là pour être réalisés, et je mets toute mon énergie pour que ça se concrétise, enfin, et toute ma foi dans, tu vois, enfin, je pense que j'ai un truc où quand je crois en quelque chose, il y a rien qui peut me, je veux dire, tout le monde a beau me dire non, moi, si c'est ça que je crois, il y a rien à faire, quoi. Ça correspond bien à ce que je suis. Je réalise pas trop et en même temps je le vis et je suis contente et je vais être surprise par la vie. Et si à un moment donné tu t'attends pas, c'est-à-dire tu laisses pas la possibilité à la vie de te surprendre et que tu fermes la porte, et ben ça n'arrivera jamais. Donc je travaille à laisser cette porte ouverte.